Qui est arrivé au Cameroun hier. Alors, il faut dire qu'ils étaient gravement entendus et finalement, ils sont. Ils étaient quoi? Gravement ou lourdement, je ne sais pas trop. Attendu et donc finalement c'est ici à l'aéroport international de Douala qu'ils ont atterri aux environs de 23h15, mais à la base étaient attendus à 22h avec les formalités de débarquement. Voilà, ils sont donc sortis de l'aéroport aux environs de 23h, ont passé la nuit ici même à l'hôtel La Falaise de Bonanjo et donc ce matin ils devaient prendre la route pour Garoua. Peut-être que ils sont déjà à l'aéroport. Certainement. Oui, parce qu'ils ont raté le vol, je crois qu'on mentionnait ici hier, ils ont raté le vol qui les amenait à Douala, ils étaient à Johannesburg, et il y a eu un contre-temps, ils sont arrivés tard, ils ont passé, je crois, 45 minutes pour les différents procédures au niveau de l'aéroport, et après, ils ne pouvaient pas voyager tard, donc... L'Africa Food les avait réservés les chambres du côté de Bonanjo, un hôtel qui est basé à Bonanjo. Et ce jour, ils iront à Garoua et ils vont arriver à Garoua direction conférence de presse. Parce qu'il y a deux conférences de presse aujourd'hui. Conférence de presse avant match, c'est un jour avant le match. Et conférence de presse après match. Donc, ils vont assister. Il faut dire qu'il y a une partie de la délégation namibienne qui se trouve à Garoua depuis fort longtemps, depuis même que le Premier ministre décide d'organiser la réunion pour mettre les choses au clair sur instruction du président de la République pour que l'équipe du Cameroun prend la route aussi pour Garoua. Donc, on va observer cette équipe, mais c'est une équipe qui a malmené le Cameroun. Hein. Donc, ce n'est pas à deux reprises. Donc, les Lions devaient faire très, très attention à eux, attention à ces gars-là, c'est pas parce qu'ils sont arrivés, on peut avoir beaucoup d'heures de vol, la fatigue et autres, que vous allez penser que ça sera facile de les dompter. Donc, ce sera un match très, très difficile, très élevé aussi, en termes de technicité et autres. On les souhaite bonne arrivée à Douala et bon voyage pour Garoua. Ça ne va pas les prendre beaucoup de temps pour arriver à Garoua, la capitale du Nord.